Bonjour les frérots, le nouveau portail du tank LR est sorti. Apparemment une unité très intéressante. On va un peu checker le détecteur. Voilà, le tank qui nous intéresse. Attaque 80% donne rarement lieu d'un coup critique. Après, il monte au LR. Vous avez 50% de coups critiques plus l'état d'un LR. Le trunk, un bon support de ki. Le trunk Zeno, pas très intéressant. Le trunk là, à mon avis est mitigé. Attaque plus du coup chaque fer de ki obtenu, ce trunk là, pas mal. La pompe GTM, très bon support, vraiment conseillé. Attaque et défense plus 25% pour tous les alliés, très intéressant. Ah, le trunk aussi là, attaque et défense plus 1% pour tous les alliés. Les VGT aussi qui est super bon, le trunk. Mais dans ce portail il y a tous les nouveaux LR disponibles de la globale hein. On va pas essayer de dropper les CCJ2, mais moi je vous, est-ce que ça vaut le coup de claquer 100 et 150 DS? Je crois pas. La faible chance d'avoir un ULR, c'est très très faible. Hein. Moi, je vais faire 5-6 invocations aussi gaz. Mais je ne mettrai pas plus. Hein. Ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Quand vous êtes cash payer, ça va. Quand vous êtes free to play, mettez pas 300 400 DS. Parce qu'il y a d'autres portails qui vont sortir. Et il y a beaucoup mieux d'unités plus intéressantes. On va faire une petite invocation. Alors, 1, 2, 3. 3 capsules. Arc-en-ciel. Il se transforme. CCJ1. CCJ2. Pas de CCJ3. Alors, on a le trunk. Ouais, normal que on aura que des trunks. On va encore invoquer en espérant avoir une bonne unité. Une capsule. Il transforme. Ah, il se transforme. CJ1. CJ2. On va voir un petit CCR pour faire plaisir. Baby Vegeta. Tu vas aller dans le Baba Shop. Transformation. Ah, il se transforme. CJ1, CJ2. Alors, pas de CJ3. Que dire? Même pas un seul SSR. Une capsule. Ah, ça, c'est un R. Je vois pas. Voilà, R. Ouais, y a beaucoup de R aussi. Vous voyez. Aucun. Une capsule. Ah, il se transforme. Donne-moi un CCR en moi. Et le Vegetatech. Et voilà, on a eu en moins un CSR du portail. Voilà. Voilà. Je suis un peu content. Mais dites-moi ce que vous avez eu dans la zone commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Bye bye les frérots.